je m'appelle Nadège Bourdon, je suis écuyer du cadre noir de Saumur. Très bien, alors on a quatre missions en tant qu'écuyer au sein de l'IFCE. Première mission, c'est de participer aux présentations et aux galas du cadre noir. Faire perpétuer l'équitation de tradition française au travers des galas qu'on produit à Saumur et à l'extérieur, en France et à l'étranger. Et j'ai une mission un petit peu particulière maintenant depuis 3-4 ans, c'est d'assurer la coordination technique et artistique des galas et des placements du cadre noir. La mission de compétition, où on doit sortir les chevaux en concours. Puis toujours un étudiant cavalier de concours, c'est-à-dire que moi-même je participe encore, malgré mon âge, à la compétition. Une mission de formation où j'interviens auprès d'élèves enseignants ou futurs enseignants. Et la quatrième des missions, c'est l'émission de recherche, où là, moi, je suis impliqué pour tout ce qui concerne le bien-être animal. Donc, que ce soit dans le travail des chevaux et aussi dans leurs conditions de logement. Alors, en trois mots, je vais en fait copier le général Lott qui dit « calme, en avant et droit ». Et ça résume assez bien un petit peu notre philosophie de vie au cadre noir de Saumur. Je dirais passion, rigueur et travail. Passionnant, diversifié et motivant. Je travaille à l'IFCE depuis maintenant 22 ans. Ça fait 2 ans que je suis là. Enfin, j'ai entamé ma troisième année. Moi, ça fait 6 ans que je suis détaché en tant que militaire au sein de l'IFCE. Alors l'IFCE m'apporte dans mon métier de pouvoir le faire dans des conditions optimum, c'est-à-dire de me donner la possibilité de dresser des chevaux pour la compétition, pour les galas. Me donne la possibilité de remplir des zéniths, de partir en déplacement et de faire de la formation professionnelle, chose que je fais depuis toujours, dans des conditions vraiment particulièrement optimum. C'est un endroit où on peut vraiment développer beaucoup de compétences et puis aussi où on peut rencontrer beaucoup de monde. Et ça, je pense que c'est très important dans mon métier. C'est Thémis, ma jument de gala pour les manèges. C'est une jument d'expérience et elle m'a permis de faire tous les galas depuis que je suis là et elle m'a beaucoup apporté. C'est Trouble Fête, c'est le cheval qui m'a permis d'aller justement en équipe de France en concours complet. C'est un cheval qui avait une vraie générosité, qui était vraiment un cheval qui n'était pas très grand, mais très généreux par le cœur.